Bonjour à tous présidents, abonnés et spectateurs et bienvenue pour cette vidéo un peu folle. Vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre. Dans notre équipe aujourd'hui, nous n'aurons que des joueurs qui partagent un signe du zodiaque, nous n'aurons que des béliers dans l'équipe. En effet, j'ai décidé pour cette expérience de réunir dans une équipe, ici à Nantes, uniquement des joueurs du de signe astrologique du bélier. Donc je suis allé pour savoir les dates des béliers sur Wikipédia. Les béliers, c'est entre le 21 mars et le 20 avril. Eh bien, vous n'avez que des joueurs qui sont nés entre ces deux dates. Vous avez également un entraîneur qui a ce signe astrologique. J'ai pris les meilleurs à chaque poste et je les ai réunis ensemble. Pourquoi me direz-vous Eh bien tout simplement parce que le président du FC Nantes, dans cette réalité différente, a été pris d'une lubie, ne faire jouer que des béliers. Il a vu son astrologue et on lui a dit que c'est comme cela qu'il aurait les meilleurs résultats. Pourquoi pas Voyons ensemble déjà qui il a pris comme entraîneur. Le meilleur entraîneur bélier sur football manager, eh c'est Rafa Benitez. Belle fiche, bonne capacité à motiver ses joueurs. Pour la gestion des hommes, ce sera un peu plus compliqué. C'est dommage car la gestion des hommes elle sera fondamentale dans cette expérience, puisqu'il n'y a que des joueurs de haut niveau au FC Nantes version bélier. Vous avez dans l'équipe hein, les meilleurs béliers de football manager. Donc vous avez Neuer, Ciesny et Onana en gardien de but. En défense, vous avez du Sergio Ramos, Eric Bailly, Benjamin Pavard, Christiansen, Alaba. Spinazzola, Sakai, en milieu de terrain, pianich Tiago Cantara, N'Golo Kante, Los Celso, Fabian, Jadon Sancho, Belrabi, Ressus, Everton, Antoine Griezmann, Sadio Mané et Carlos Vinicius. Vous le voyez, une belle équipe. Autre particularité, il n'y aura aucun jeune dans l'équipe des U19, je les ai tous retirés. Et lorsqu'il y aura les régènes qui arriveront, eh bien ne seront que servés que les béliers. Un super régène, le nouveau Messi, 200 potentiels, mais qui est Capricorne, on ne le garde pas. Aujourd'hui, on reste concentré sur les béliers. Donc on est ici dans le premier volet d'une série qui j'espère comportera 12 épisodes. Ce sera d'ailleurs à vous de me dire en commentaire quel sera le prochain signe zodiacal que vous voudriez voir sous ce format. Allez, c'est parti, découvrons les résultats de ce club. Donc j'ai bloqué les joueurs au club, l'expérience va durer durant 6 saisons. Et comme vous pouvez le voir, pour pouvoir classer les différents signes du zodiaque, j'ai mis en place un petit barème. Je me suis inspiré de ce que peut faire Experience Foot dans ses expériences. Je n'ai pas gardé le même barème, je l'ai mis à ma sauce. Donc vous le voyez, un titre en Ligue des Champions, c'est 50 points. Une finale, 20 points. Une demi-finale de Ligue des Champions, c'est 5 points. Vous avez également un barème pour la Ligue Europa, pour l'Eurocup 2, c'est la Ligue Europa Conférence, et vous avez également du côté du championnat un titre, c'est 10 points, une deuxième place, 4 points, une troisième place, 1 point, 5 points pour une Coupe nationale, 1 point pour un trophée des champions, etc. Vous avez le barème sous les yeux, et c'est parti, sans plus attendre, allons découvrir ensemble les résultats de la première saison des béliers du FC Nantes. 2 juin 2020, fin de la première saison, vous pouvez voir les stats de nos béliers, vous voyez les notes moyennes, elles sont quasiment toutes dans le vert. Seuls 3 joueurs n'ont pas une note moyenne supérieure à 7, c'est Sakai, Belrabi et Fabian. Mais vous voyez, c'est plutôt des remplaçants. À part Sakai, qui a quand même joué une vingtaine de matchs, dont 13 en tant que titulaire. Le meilleur buteur de ce club, c'est Everton, avec 22 buts. Un but de plus que Griezmann, deux buts de plus que Gabriel Ressus. Du côté du niveau des joueurs, le joueur qui a la meilleure note, c'est Antoine Griezmann, un niveau de 180. Devant Sadio Manet un niveau de 175 du côté du potentiel, celui qui avait le plus gros potentiel, c'est Manuel Neuer, mais à 34 ans, il ne l'atteindra pas. Griezmann a également un potentiel de 185 et Manet un potentiel de 184. Donc une belle équipe, des belles notes moyennes. Au niveau des résultats, qu'est-ce que cela a donné On va découvrir ensemble le calendrier. On va pouvoir dérouler la saison. Donc vous voyez hein, des bons résultats. Une défaite contre le stade rennais. Ils ont perdu le débit breton malgré leur bélier. Coupe de la Ligue, troisième tour, quatrième tour, quart de finale, demi-finale. Ensuite, un huitième de finale de Coupe de France. Ah, ça perd en quart de finale de Coupe de France, mais il y a une finale de Coupe de la Ligue à jouer. En championnat, vous voyez cette belle série Ça a même battu le PSG. C'est pas mal du tout. Défaite en finale de la Coupe de la Ligue. Bon, ça fera quelques points. Et en championnat, on va découvrir ça tout de suite. C'est la deuxième place. Deuxième avec 89 points derrière le PSG. En vrai, c'est pas mal. Hein. Une deuxième place en championnat. Une finale de Coupe de la Ligue. On débute bien. Est-ce qu'ils ont eu des régènes que l'on a pu conserver oui, il y en a un seul, Arthur Gauthier, conservé car il est né le 25 mars. Je vous l'ai dit, on ne garde que les béliers. Tous les autres égènes ont été retirés car ils n'avaient pas le bon signe astrologique. Donc, avec un potentiel de on ne le verra pas participer au championnat. Il faudra vraiment une hécatombe de blessures pour qu'ils puissent jouer. Fin de la première saison, avec leur performance, ils ont pris un total de 6 points. C'est pas mal. Ils vont surtout découvrir la Ligue des Champions. Une attaque Mané-Griezmann-Ressous, je trouve ça pas mal. On va voir ensemble ce que cela donne sur une deuxième saison. 1er juin 2021, fin de la deuxième saison, mais la saison n'a pas dû être complètement réussie puisque vous le voyez, il n'y a plus de coach au FC Nantes, l'entraîneur n'est plus là, on n'a plus de Raphaël Benitez, il a été renvoyé, renvoyé après la fin de saison, les résultats n'ont pas dû être au rendez-vous, on va voir tout de suite le calendrier. En effet, ça a mal débuté, hein. défaite en Trophée des Champions face au PSG, ah, il y avait l'occasion de prendre un point rapidement. Ensuite, en Ligue des Champions, qu'est-ce que cela donne Une phase de groupe dans laquelle il y avait l'Atlético de Madrid, la Lazio de Rome et Chelsea, Oh, c'était pas évident. Deux défaites sur le premier match. Trois défaites, un nul. Alors, ça va être compliqué dans ce groupe H. La troisième place avec 5 points. C'est pas terrible avec les joueurs qu'il y a dans le club. Après, si ça permet de gagner et d'accrocher une petite euh, Ligue Europa, c'est pas mal. On va poursuivre le déroulé de la saison. Peut-être une finale de coupe. Alors, Coupe de France. Non Ça passe en 32e contre le Sco d'Angers et ensuite ça perd contre Nîmes. Défaite à Nîmes 1-0. C'est pas terrible. Et en championnat, en championnat, est-ce qu'ils vont accrocher le titre oh, C'est pas mal, ça. Attends, mais ils ont perdu quand, la dernière fois Ah, ils ont perdu contre le PSG. Ça risque d'être compliqué contre un concurrent en direct. Mais sinon, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 victoires et 1 nul sur leurs 14 derniers matchs. C'est vraiment bien. On va voir ce que ça donne au championnat, en Ligue 1. Eh bien, ça suffit pas. 101 points. Avec 101 points, on n'est pas champion de France, car le Paris Saint-Germain, lui, a réussi à prendre 103 points. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour prendre un titre de champion. Bon bah ça fera 4 points de plus dans la saison. Au niveau des stats individuelles, vous voyez Sado Yomane avec 20 buts n'est que 3 au classement des buteurs. C'est Mbappé et Neymar qui, sont les meilleurs, euh, qui ont les meilleures notes. Sinon, des joueurs de Nantes. Ramos qui s'illustre dans les cartons jaunes, c'est pas terrible. Au niveau des stats du championnat, qu'est-ce que ça donne À Nantes. Allez, regardons les notes des joueurs. Le meilleur joueur de la saison. C'est Eric Bailly, le défenseur central, note de 7,60, mais il a seulement joué deux matchs. Parmi les joueurs qui ont vraiment bien joué, il y a Sadio Mané qui a joué toute la saison en tant que titulaire, note moyenne de 7,58. Le meilleur buteur, Mané. Le meilleur passeur, Mané. Le joueur qui s'est procuré le plus d'occasions, Mané. Mané, l'homme de la saison du FC Nantes. En Sadio Mané, hein, qui est vraiment le meilleur joueur. Tiens, d'ailleurs, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil sur le meilleur 11 de la saison. Le 11 de la saison, donc ça c'est le global. Nous ce qu'on veut voir, c'est celui de la saison actuelle. Donc c'est Siezny qui serait gardien de but devant Alaba, Christiansen, Pavoir, Esminazzola, Thiago Kanté au milieu de terrain, Griezmann, Jadon Sancho, Mané et Gabriel Rissous en attaque. Ah oui, on peut voir que Siezny est passé titulaire, Manuel Neuer un hein, qui vieillit qui a perdu sa place au profit du Polonais. Ah ça va pas être simple pour le FC Nantes tout de même parce que je ne vous l'avais pas précisé, j'ai laissé l'âge réel des joueurs. Donc les joueurs jeunes vont réussir à à progresser, à prendre leur place, c'est pour ça d'ailleurs que l'expérience ne dure que six saisons jusqu'en 2025. Parce que sinon, après, les joueurs sont trop vieux et cela n'a plus aucun intérêt. Au niveau des jeunes, d'ailleurs, puisqu'on en parle, il y a un nouveau Régène, Mathieu Renou. Mathieu Renou, né le 29 mars, c'est bien un bélier, ça marche. Un gardien avec un niveau de 130, ça fait un gardien remplaçant, c'est toujours utile. Bon, et bien, 4 points de prix dans cette saison avec la seconde place en Championnat de France. On espère que la troisième saison sera plus intéressante pour les Nantais, et nous allons découvrir ensemble l'identité du nouvel entraîneur. Allez, c'est parti, Go 2022. Et on démarre en 2022 avec l'identité du nouvel entraîneur du FC Nantes, c'est Simone Inzaghi, donc superbe hasard puisque je n'avais pas choisi le nouvel entraîneur, il a été nommé par le président du FC Nantes, par Valdemar Kita, il est bélier, donc je l'ai conservé, c'est magnifique, il joue également le jeu, il ne souhaite donc avoir que des béliers dans son équipe, et vous le voyez, hein, il a une bien meilleure fiche que Raphaël Benitez, capacité à motiver 19, gestion des joueurs 17, évaluation du potentiel des joueurs et niveau tactique à 17. On peut espérer avoir de belles choses avec ce coach. Allez, sans plus attendre, on va découvrir les résultats de la saison. Allez, on passe sur le calendrier. Alors, calendrier, pas de trophée des champions cette saison. En championnat, on démarre par des victoires. Ligue des champions, on espère que ce sera mieux. Alors, Leipzig, Liverpool et Porto dans le groupe. Normalement, ça doit passer. Aucune défaite. Donc, ça va aller en huitième de finale de Ligue des champions. Coupe de France. 32e, 16e et 8e de finale, on a également un quart de finale de Coupe de France, c'est pas mal tout ça. Le quart de finale remporté contre Bordeaux, donc une demi-finale. La Ligue des Champions, ça passe contre la Lazio. Alors on aura également une finale de Coupe de France, puisqu'ils ont battu le LOSC au tir au but. Alors ça va faire des points pour les Béliers. Allez, Ligue des Champions, Tottenham 0-0 à l'extérieur au match aller. Et deux buts partout à domicile au match retour. Élimination en quart de finale, pas de points ici. Mais vous le voyez par contre, une victoire en finale de Coupe de France. Nantes qui s'impose 2 buts à 1 contre l'OM, début signé Everton et Manet. Eh bien, c'est pas mal, ça va faire des gros points pour le FC Nantes. Une victoire en coupe, c'est 5 points. On va voir en championnat. championnat, la défaite contre l'OM va peut-être coûter très cher. Est-ce qu'elle va coûter le titre ou pas On va le découvrir tout de suite. Non, ça ne coûte pas le titre puisque vous le voyez, le Paris Saint-Germain était très loin devant avec 102 points. Nantes, deuxième avec 82 points. Alors, les Béliers Nantes hein, qui s'installent vraiment comme le deuxième meilleur club français derrière le Paris Saint-Germain. Au niveau des stats individuelles, c'est Jadon Sancho qui est maintenant le meilleur buteur du club pour le FC Nantes. Mais il monte vraiment en puissance, il n'a que 22 ans. Vous voyez sa fiche déjà, d'ici deux ou trois ans, à la fin de l'expérience, il va normalement tout abasser. Allez, on va regarder du côté des joueurs de Nantes. Qui est le meilleur joueur du club cette saison Le meilleur buteur, toutes compétitions confondues, c'est Sadio Mane, encore lui. Au niveau des passes décisives il y a une égalité entre Sancho et Lo Celso. Et au niveau de la note moyenne, Sadio Mané, hein, qui est vraiment l'homme du FC Nantes, c'est pour l'instant le meilleur bélier du jeu. Allez, un coup d'œil sur les régènes. Enfin, je ne devrais pas dire régènes, je devrais dire Newgen comme me l'a fait remarquer un abonné. Et il n'y en a qu'un seul, Mehdi Jaou. 18 avril, c'est bien un bélier, mais il n'aura aucun rôle à jouer dans le FC Nantes version bélier. Je vous remontre les, les joueurs hein, qui sont dans le club. Jadon Sancho, qui est bien, qui a bien progressé, vous voyez, il a atteint un niveau de 169 avec un potentiel de 178. Je vous montre sa fiche plus en détail, mais c'est vraiment intéressant. Normalement, il devrait devenir le meilleur joueur du club, le meilleur joueur du FC Nantes. L'équipe type de la saison, on va la voir maintenant, le meilleur 11 sur la saison. Eh bien, il y a peu de changements par rapport à la saison passée. Si Jadon Sancho, est qui est positionné à droite alors que la saison passée, il était positionné au centre. Oui, c'est des changements de position mais c'est globalement le même 11, une belle équipe de bélier. D'ailleurs, si vous estimez que j'ai oublié un bélier, qu'il y a un joueur qui aurait absolument dû figurer dans cette équipe, eh bien n'hésitez pas à me le donner en commentaire et puis on sait jamais, peut-être que je referai un jour une expérience avec un bélier. Et d'ailleurs pour le prochain épisode de cette série si vous voulez voir les taureaux, les scorpions, les sagittaires, dites-le-moi en commentaire. Et vous pouvez également me donner en commentaire le nom des joueurs et leur signe astrologique, si vous voulez absolument qu'ils participent à cette expérience. En tout cas, durant cette saison, les Nantais, les Béliers ont fait le job. Un titre en Coupe de France, une seconde place en championnat, ça fait 9 points, 19 points au total. Espérons pour les Béliers qui remarquent un peu plus de points, mais pour l'instant c'est bien parti. Allez direction 2023 pendant que le jeu se charge, vous pouvez prendre quelques instants pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela m'apporte énormément de soutien. Vous pouvez également mettre un like sur la vidéo. Cela vous prend que 3 secondes. Je vous laisse le temps de le faire. Voilà, c'est bon. Vous voyez, hein, ça prend vraiment 2 minutes à faire. Et vous pouvez également laisser un commentaire. Cela m'aide au référencement. Ça m'apporte beaucoup de soutien. Donc n'hésitez pas, hein, mettez un petit like, un commentaire, un abonnement. Si vous pouvez partager la vidéo, si vous connaissez des béliers, eh partagez-leur la vidéo. Ça m'apporte beaucoup de soutien et m'incite à continuer. Merci d'avance. La parenthèse est terminée, retrouvons nos béliers. Inzaghi est toujours l'entraîneur. On va découvrir le calendrier. Qu'est-ce que cela a donné Victoire en trophée des champions Eh bien un petit point supplémentaire, c'est pas énorme, hein, mais ça fait toujours plaisir de prendre un petit titre supplémentaire. Ligue des champions, on espère que ça sera mieux. Lazio, Madrid, Dortmund. Pas simple. Et puis pas simple, surtout quand on perd 2-1 à domicile contre la Lazio. Non, ça va pas sortir des groupes. Si, deuxième 9 points à égalité avec la Lazio. Ah mais ça se joue à pas grand-chose, parce qu'ils ont gagné 2-1 à l'extérieur. Et la Lazio à Nantes, elle a fait quoi Je crois que la Lazio a battu Nantes à Nantes. J'avais cru voir ça. Oh oui Ah ça se joue vraiment à la différence de but. Eh C'est pas passé loin, mais il reste qualifié en Ligue des champions. On verra par la suite hein, si c'était une bonne chose, parce qu'un parcours en Europa League, hein, c'est plus de chances de remporter un titre. Enfin bon, c'est comme ça, ils ont réussi à se qualifier, tant mieux pour eux. On poursuit la saison, donc là vous le voyez, en hein, 2022, c'était durant la Coupe du Monde, donc une petite trêve. Allez ensuite, Coupe de France, 9e tour, 10e tour, 11e tour, quart de finale, c'est bon signe ça Allez, on va avoir une demi-finale de Coupe de France, demi-finale de Coupe de France, en Ligue des Champions, 8e de finale contre la Juve, 3-0 à l'aller, c'est magnifique Nantes qui barène en demi-finale. Donc une finale de Coupe de France. Allez, on avance. Il y aura également quart de finale de Ligue des Champions. Quart de finale de Ligue des Champions contre le Real de Madrid. Le Real de Madrid, mais non. Victoire 1-0 à, à domicile au retour, mais élimination au tir au but. Vous le voyez. À Alaba, Locelso, Vinicius et Mané ont marqué. Ça fait 4 tirs réussis. Et en face du côté de Madrid, Hazard, Modric, Kroos, Casimiro et Mukiele. 5 tirs au but à 4. Élimination en quart de finale de Ligue des Champions. Ah, c'est vraiment pas loin. C'est dommage. Après, par contre, hein, il y a encore un titre en Coupe de France. Vous le voyez, victoire 3-1 contre Montpellier. Victoire facile. Le PSG n'était pas là, donc c'est plus simple de remporter le titre. Et en championnat, on va voir. Mais non, le PSG. Encore une deuxième place, c'est encore 4 points. Une, final... une victoire en Coupe de France, c'est 5 points. Le trophée des champions, c'est 1 point. Ça nous fait donc un total de 29 points pour les béliers du FC Nantes. C'est pas mal. Allez, il leur reste deux saisons pour faire un petit parcours européen, pour gagner des titres. On va découvrir maintenant ce qui s'est passé en 2024. Avant-dernière saison de l'expérience, Inzaghi toujours l'entraîneur, Griezmann toujours le capitaine du club. On va passer tout de suite au championnat. Vous allez voir, le FC Nantes est passé tout près de l'exploit, à un point du titre, à un point du PSG. Bon, ça fera toujours 4 points de prix, 4 points de plus, mais c'est décevant de passer vraiment pas loin comme ça. On a l'impression que le PSG est prenable, mais bon, ce sera peut-être pour la dernière saison. Au niveau des statistiques individuelles, Mané qui est le meilleur buteur du club. Antoine Griezmann, meilleure note moyenne du championnat. Pourtant il est plutôt jeune Griezmann, 33 ans. non non à 33 ans, il a des bons résultats. Et on va voir ce que cela donne au niveau des statistiques individuelles. Mais bon, c'est quand même un peu dommage de passer pas loin du titre comme ça. Le joueur qui a le marqué le plus de buts cette saison, c'est Gabriel Ressus devant Sadio Mané. Celui qui a été le plus de forme du match, c'est Griezmann. Les passes décisives, Griezmann et Locelso. Et du côté de la note moyenne, c'est Jadon Sancho, 7,72. Mais je vous l'avais dit euh, il y a quelques saisons, c'est lui qui devrait normalement être le fer de lance de cette équipe. Un coup d'œil sur les U19, Mathieu Renou, bélier, on l'avait déjà vu il a 18 ans. Sinon, hein, aucun autre newgen n'est apparu pour aider le FC Nantes. Et puis s'il y en a un qui arrive maintenant, ça sera trop tard. Bon, ça va pas être simple pour les béliers. On va voir sur les coupes s'il y a eu un bon parcours européen. Eh bien, au niveau du calendrier, déjà, pas de points supplémentaires avec le trophée des champions. Allez un, parti... Allez, un petit parcours en Ligue des champions, ce serait sympa. Tous les béliers vous soutiennent, le FC Nantes. Alors, l'Ajax, le Bayern et Salzbourg. Ça passe. Dans ce groupe, ça passe. Ça passe, deuxième. C'est pas mal. On va ensuite dérouler le calendrier. On déroule le calendrier. Donc, la Coupe de France, 32, 16 et 8e de finale. Il y a un quart de finale perdu contre le Havre Mais le Havre... Le 17 e 2 2D1. Défaite face au 17 e 2 2D1. Grosse déception. Énorme surprise. Ligue des champions, il va falloir surprendre 2-2 au match aller à domicile contre Francfort. Ça sent, la, ça sent la cagoule. Ça sent la cagoule. Et voilà. Défaite 2-0 au match retour. En championnat, on l'a déjà vu. Une deuxième place. Seulement 4 points de plus pour les Nantais, pour les Béliers. C'est pas évident. Du côté des joueurs, on va jeter un petit coup d'œil sur le meilleur 11 de la saison. Il ne change quasiment pas. C'est Onana qui est passé gardien de but. On a eu des transitions. On a eu euh, l'épisode Neuer dans les buts. Ensuite, Ciesny lui a su succédé. Et maintenant, c'est Onana le meilleur gardien de but. Mais en même temps, c'est logique. Hein, déjà, 5 ans ont passé depuis le début du jeu. Donc, des joueurs ont perdu en niveau. Bon, en tout cas, ça fait seulement 4 points de plus. 33 points, si je ne dis pas de bêtises, au total pour les Béliers. Il leur reste une saison pour marquer des points. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, à votre avis, quel sera le meilleur signe à l'issue de cette expérience Là aujourd'hui, on fait les Béliers. Normalement, on fera l'ensemble des signes du zodiaque. Quel sera le signe du zodiaque qui obtiendra le plus grand nombre de points Pour l'instant, 33, c'est pas terrible. Il suffit qu'un club gagne une Ligue des Champions et boum, c'est 50 points tout de suite. Si on gagne la Ligue des Champions, on peut gagner un ou deux championnats. À mon avis, il y aura des signes du zodiaque qui auront 70, 80, 90 points. Là, avec 33 points, c'est décevant. Mais qui sait, il leur reste une saison, direction 2025. 2 juin 2025 et vous le découvrez, enfin un titre pour les Béliers du FC Nantes, champion avec 90 points, quand on se souvient qu'ils ont été deuxièmes avec 103 points en début d'expérience, et bien là champion à la différence de but, plus 61, plus 44 pour le Paris Saint-Germain, mais un titre pour les Béliers, ça fait tout de suite 10 points de plus, assez de bonne augure, peut-être un bon parcours en Ligue des Champions, on va le découvrir après, vous voyez la superbe saison des Nantais. Du côté des notes moyennes, les trois meilleurs joueurs du championnat, ce sont Gabriel Ressus, Sadio Mané et Jadon Sancho, les trois meilleurs joueurs, trois béliers du FC Nantes. Allez, on va tout de suite voir du côté des joueurs le meilleur joueur de cette dernière saison. Gabriel Ressus, 28 ans, il a monté avec un niveau de 172, Une meilleure note moyenne 7,70, niveau des buts 23 buts marqués, meilleur buteur devant Everton. Passe décisive, Griezmann qui est toujours le meilleur avec 14 passes décisives. Et du côté des hommes du match, Jaden Sancho, neuf fois homme du match. Allez, passons au calendrier, découvrons les résultats. Trophée des champions, défaite contre le Paris Saint-Germain. Assez dommage, il y avait un petit point à prendre facilement. Encore une séance de tir au but. C'est pas simple au tir au but pour les béliers. Et ensuite en Ligue des champions. Allez, on va regarder ça comme cela. Eh bien non. A ah, tout de suite, la déception, la douche froide. Troisième, dans un groupe composé de City, bon, on peut le comprendre, mais derrière Francfort... Deux victoires contre Kiev. Oh, donc un nul et une défaite contre Francfort. Deux défaites contre City. C'est moche. Il termine mal les Béliers en Ligue des Champions. Ah, C'est dommage la saison passée, cette élimination au tir au but. Allez, peut-être une Coupe de France pour obtenir quelque chose de plus. Il ne reste plus que cela à jouer. Quart de finale, ça passe contre l'OL. Donc il y aura au minimum une demi-finale. Aïe, ah, de l'Eurocup, je l'avais oublié également. Donc Eurocup, ça passe. Deuxième tour. Demi-finale de Coupe de France, c'est bon également, donc il y aura une finale de Coupe de France. Quart de finale de ReCup contre Arsenal. Oh non, 7 à 0 sur l'ensemble des deux matchs. C'est compliqué. Finale de Coupe de France, perdue contre saint étienne Encore une déception. C'est eux qui avaient ouvert le score, pourtant avec Vinicius. Ah, il y aurait eu moyen de prendre plus de points. C'est dommage, mais bon, il y a quand même le titre. Hein. C'est Mi figue Mi -raisin. Bon, après, on va voir, je parlais des matchs contre le PSG, puisque le titre s'est joué à la différence de but. Contre le PSG, ça a donné quoi Un match nul au parc et le match chalet Vous l'avez sans doute déjà vu, hein, moi je l'ai zappé. Une victoire de Buzyn au match chalet D'accord. Non, mais sur les deux confrontations, ils sont meilleurs que le PSG. Mais malheureusement, ça ne suffit pas à faire un bon parcours européen. 7-0 contre Arsenal, c'est pas terrible. Avant de vous donner hein, le total de points des Béliers, on va jeter un petit coup d'œil sur l'historique, Voir le meilleur 11 au global. Donc c'est le meilleur 11 composé uniquement de Béliers sur les 6 prochaines saisons. Eh bien le meilleur gardien bélier serait Siezny, une défense à la bas, Pavar christiansen et Jaou, Jaou Jaou qui est qui est qui est un régène. Ah il a réussi à jouer quand même. Au niveau global, ça fait partie des meilleurs joueurs. D'accord. Ah ben il arrive direct comme une balle, il prend la place. C'était qui avant Ah ça fait déjà deux ou trois saisons qu'il est là. Ah c'est Pavar qui a été recentré Ah ben un régène qui apparaît qui est tout de suite parmi les meilleurs joueurs. Ça montre quand même qu'il y a une lacune au poste de latéral droit chez les Béliers. Vous voyez, le meilleur Bélier latéral droit qui a une note moyenne de 6,20, c'est vraiment pas terrible. Milieu de terrain, Fabian et N'Golo Kanté. Et vous avez enfin, dans les postes offensifs, Griezmann, Jadon Sancho, Mané et Gabriel Jesus, meilleurs attaquants de cette équipe. Et voilà, vous avez découvert l'équipe type des Béliers après l'ensemble, après la totalité de la compétition. Au niveau des notes moyennes, dans 5 ans, qui est-ce qui reste à Nantes eh bien, le joueur qui a la meilleure note, c'est Gabriel Ressus, 172, devant Sancho, 169 et Pavard, 166. Alors, ça évolue pas très, très bien. Il manque une ou deux superstars du côté des Béliers. C'est pour ça qu'au total, ça fait un total de 45 points, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est correct, mais sans plus. Hein. À mon avis, hein, ils ne termineront pas parmi les trois premiers signes du Zodiac. Alors, de, toute façon, de toute façon, on le verra. Mais quand on aura euh, l'équipe avec Messi, l'équipe avec Mbappé ou l'équipe de Ronaldo. Euh, Quoique Messi et Ronaldo étant un peu âgé, ça va s'étioler au fil du temps, mais il est possible que l'on ait de bien meilleurs scores dans les prochains épisodes. En tout cas, on va s'arrêter là. Donnez-moi en commentaire le prochain signe que vous voudriez voir dans, un, dans une expérience de ce type. Dites-moi également en commentaire s'il y a des choses que vous voudriez que je vous montre un peu plus en détail lors du prochain signe astrologique. Je passe peut-être, il y a peut-être des choses que vous voudriez voir un peu plus, des choses sur lesquelles je m'attarde, par exemple l'équipe type de fin de saison qui vous intéresse un peu moins. Donnez-moi tout ça, donnez-moi votre avis en commentaire. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut